Le championnat du monde des rallyes continue son tour de la Méditerranée. Bonsoir à tous, nous sommes en Catalogne pour l'avant-dernière manche du championnat du monde. Un championnat de plus en plus passionnant. En effet, ici à Lloret de Mar sur la Costa Brava, c'est Carlos Sainz, l'Espagnol, le matador, l'enfant du pays qui arrive en leader du championnat du monde. Sébastien Loeb, le français, a fait une mauvaise opération en Corse. Il est sorti de la route, il a perdu 10 minutes, mais il n'a pas perdu toutes ses chances au championnat du monde. Enfin, chez les constructeurs, c'est toujours la bagarre entre Peugeot et Citroën. Avantage quand même à Citroën. On va tout de suite voir comment ça s'est passé sur ce rallye de Catalogne. Nous sommes sur l'asphalte, le marathon du mois d'octobre continue. Et c'est en image tout de suite. Dale, Carlos. Ils n'attendent que lui. Pour soutenir Carlos Sainz, le public catalan oublie sa rivalité chronique avec les Madrilènes. Vendredi, à l'heure du départ, Carlos, le matador, ouvre la route. Cet honneur, Sainz le doit à sa position de leader du championnat, acquise 5 jours plus tôt, à l'arrivée du Tour de Corse. Sur les routes, flotte une ambiance de Monte Carlo, thermomètre à zéro, soleil hivernal. Au petit matin, les choix de pneus ont été délicats. Dans le peloton, deux options se dégagent. Celle des Peugeot, de Grenholme ou de Panizzi qui ont choisi des gommes tendres pour bien adhérer sur la route froide au risque d'user les pneumatiques. 10 mètres, droite 90 longue corde, pour gauche à fond, 50 mètres, 195 presque plus, pas corde. Deuxième option, celle des Citroën, de Loeb et de Sainz. Eux ont chaussé des pneus plus durs, ils ont misé sur le réchauffement de la chaussée et ça a marché. Sur droite 100, et gauche 100 vers le haut, droite 120, bon mi-cours. Nous on avait opté pour un choix de pneus assez durs justement, il n'y avait rien à gérer, on savait que le pneu tiendrait l'endurance, qu'il fallait au contraire bien attaquer pour le solliciter et qu'il fonctionne bien. Et je pense que c'est ce qu'on a fait et ça s'est bien passé. Excellent départ en effet pour Sébastien Loeb. Le Français est toujours dans la course au titre mondial, mais reste sur un échec au Tour de Corse. Cet échec, Loeb n'y pense plus. Sur la première boucle de spécial, il relègue ses adversaires à près de 10 secondes. Porté par son public, Carlos Sainz est le premier poursuivant de Loeb. Il profite de la débâcle des Peugeot pour placer une deuxième Xara en haut de la hiérarchie. Avec une Subaru chaussée de pneus Pirelli, Peter Solberg fait illusion, le temps d'une très froide première spéciale. Après un meilleur chrono, le Norvégien va lentement descendre au fil de la journée, à mesure que la température monte. Sur les 47 km des trois premiers chronos sans assistance, le clan des battus est emmené par Marcus Grönholm. Catastrophe pour le Finlandais qui court toujours après un succès sur l'asphalte. Il perd plus d'une minute trente sur les trois premières spéciales. À bord, Grönholm fait la grimace. En spécial, il bataille avec une voiture qui cherche de l'adhérence. Et sur les parcours de liaison entre les spéciales, il s'énerve, le double champion du monde. Gilles Panizzi partage le sort de Marcus Grönholm, mais sur ce parcours très rapide qu'il apprécie particulièrement, le Français limite quand même les dégâts. L'équipe Ford n'a pas fait le meilleur choix de pneus, elle non plus, mais son erreur est moins pénalisante que celle des Peugeot. N'empêche, à cause de problèmes techniques, François Duval n'est que 9e. On a eu quelques soucis ce matin, on a eu un problème d'embrayage, donc j'ai calé sur la ligne de départ, je me suis repris une bonne quinzaine de secondes, et puis bon, dans la première j'ai fait un deuxième temps à un dixième du scratch je pense, mais j'ai plié mon train avant, donc j'ai fait la spéciale 2 et la 3 avec le train avant plié, avec la température à fond, j'ai eu pas mal de soucis. Début de course encourageant pour Cédric Robert. Avec une 206 WRC client suivie par l'équipe Bozian, le pilote de l'équipe de France FFSA pointe aux portes du top 10 dans un style toujours généreux. On est devant les Skoda pour l'instant, on est devant Hirvonen avec la Ford. Je crois que quand même on a fait des chronos sympathiques, il faut regarder les écarts au kilomètre par rapport au premier, donc je suis assez satisfait. Sur la deuxième boucle de spécial de cette longue étape, la plus longue du rallye, Marco Martin augmente la cadence.
Sur ce parcours, la puissance et l'efficacité de la Ford Focus WRC s'expriment à merveille et l'Estonien s'installe à la troisième place provisoire. Martin pilote au courage, il est diminué physiquement par des douleurs au cou, souvenir d'un gros choc dans la dernière étape du Tour de Corse, 5 jours avant le départ du Catalogne. Marco, vous êtes troisième, pas mal pour quelqu'un qui souffre de douleurs au cou. Je dois dire que la matinée n'a pas été facile. C'est très difficile de piloter, en particulier dans les longues spéciales. J'ai trouvé ça beaucoup plus dur que prévu. Je pensais que ça irait, mais en fait, j'encaisse des jets dans la voiture. Et c'est très dur de rester concentré et de prendre les bonnes trajectoires. On a besoin d'être relâché pour bien sentir la voiture. Et dès que vous avez un petit problème physique, ça devient compliqué. Heureusement pour Martin, la plus longue spéciale de cette première étape mesure seulement 26 km. L'endurance compte moins que la vitesse, et Martin est le plus proche des deux Xara de tête. La chute s'accélère pour Solberg, un changement d'alternateur dure trop longtemps à l'assistance Subaru. Solberg repartira du parc avec 5 minutes de retard, donc 50 secondes de pénalité. C'est pas une bonne nouvelle pour vous qui jouez le titre mondial. Eh bien, c'est comme ça, malheureusement. 50 secondes, ce n'est pas la fin du monde. On va essayer de revenir en espérant que la pluie arrive un peu plus tôt que prévu. On va attaquer et on peut toujours prendre des points ici. Ce n'est pas encore fini. Ensuite, le pilote Subaru atteint les limites de ses pneus Pirelli. Imbattable encore sous la pluie, les gommes italiennes peinent sous le soleil. Et pourtant, Solberg se bat. Comme Sébastien Loeb, le Norvégien semble aussi rapide sur l'asphalte que sur la terre. Oui, bien sûr, je suis loin derrière. Et oui, on en est qu'au premier jour. Mais s'il se met à pleuvoir demain, tout peut changer. Gilles Panizzi, la renaissance. Sur les trois derniers chronos du jour, le roi de l'asphalte retrouve tout son tranchant. Bien dans sa voiture, Panizzi aligne des chronos dignes de sa réputation. Premier et deuxième, le pilote Peugeot se reprend après son retard matinal. Pour son dernier rallye avec son équipe de toujours, celui qui avait écrasé les épreuves asphalte en 2002 revient dans la course. On a pris 35 secondes d'un coup ce matin dans cette première boucle parce qu'on est parti en gomme trop tendre. Donc maintenant que nous sommes, je dirais, comme les autres, on a réussi sur la boucle. Nous sommes les meilleurs performeurs sur cette boucle, sur l'ensemble des deux spéciales. Donc. Mais il faut tout simplement continuer sur ce même rythme, puis après on verra. Cette résurrection arrive à point nommé, car à cet instant, Burns, Panizzi et Grönholm sont plus que jamais bousculés par l'armada Citroën. À la fin de l'étape, l'équipe de Guy Fréclin est même virtuellement championne du monde. Dans la spéciale 7, Richard Burns va perdre gros. L'Anglais était pourtant bien parti dans ce rallye, mais au cinquième virage de la spéciale, il sort de la route. Coup de chance pour Burns, la 206 n'a presque rien et surtout, elle remonte sur la route à la première tentative de son pilote. L'Anglais, toujours en course pour le titre mondial, peut reprendre sa route avec une conséquence infime, 30 secondes perdues. Comme Panizzi, François Duval finit l'étape mieux qu'il ne l'a commencé. Le Belge dépasse coup sur coup Colin McRae et Richard Burns pour se classer 5e, une semaine après son podium en Corse. Vous croyez peut-être par exemple un podium comme en Corse ou même plus haut sur ce rallye, vous avez cette ambition-là en tout cas? Non, l'ambition ici est surtout de terminer puisque avec la Super 1600 j'ai pas terminé grand-chose, donc j'ai pas beaucoup d'expérience et je tiens quand même à en avoir un maximum pour l'année prochaine pour ne pas encore recommencer à dire oui je dois apprendre, j'espère apprendre un peu moins l'année prochaine. Philippe Bugalski monte en puissance, le quatrième pilote Citroën dispute le dernier des 4 rallyes de sa saison. Il signe quelques bons temps en fin d'étape. Je mets au point les voitures pour les autres, mais aussi il faut que je mette la mienne correctement.
Donc dans le premier tour ce matin, on a fait des petits essais de nouvelles suspensions qui ne m'ont pas plu avec des pneus beaucoup trop soft. Et là, ça s'est très très bien passé, donc c'était génial. Et j'ai retrouvé beaucoup de plaisir et de la confiance dans la voiture, donc demain, ça va être super. Le héros de cette première journée, le voici, c'est Sébastien Loeb qui vise une quatrième victoire cette saison. Bien installé en tête, Loeb, le patron, devance nettement Carlos Sainz. L'écart final est de 26 secondes. Panneau gauche 50 épingles. Et droite 110 long tard. 50 mètres, attention. Gauche 132, ferme 90 plus, corde jette. Il faut continuer à attaquer, faut essayer de garder cette position. C'est vrai qu'on a réussi à prendre un petit peu d'avance. Par contre, on voit Panizzi qui revient très fort derrière. Martine qui marche pas mal non plus. Je pense qu'il ne faut pas se relâcher parce qu'on a vite fait de perdre un peu de terrain. Et il faut continuer comme ça. Il était satisfait, oui. Ça s'est bien passé. Et pas de problème. Sauf la dernière spéciale, il n'était pas bien roulé. Sinon, tout a été bien. En attendant d'être éventuellement rejoint par Sébastien Loeb, Didier Auriol reste le seul Français champion du monde des rallyes. En Catalogne, le pilote Skoda prend son 150e départ. Avec 20 victoires, un titre, le plus beau palmarès du rallye français est toujours dans la course. Souvenir. 150 rallyes, de nombreuses victoires, 20 victoires. Si vous deviez retenir, emporter un trophée, par exemple, sur une île déserte, un seul trophée ou le souvenir d'un seul rallye, ce serait lequel? Comme ça, à brûle pour point. Ça serait peut-être un trophée du Tour de Corse 1989. Pourquoi? Puisque c'est la naissance de mon fils. Mon fils est né à l'arrivée du rallye, j'ai gagné cette épreuve. Et ça reste pour moi un très bon souvenir pour plusieurs raisons. Déjà, la victoire. Mais pendant cette course, en fait, j'étais hyper concentré dans les spéciales et j'étais complètement en dehors de la course dans les liaisons. Ce qui fait que cette victoire, je l'ai eue, mais j'ai vraiment pas eu l'impression de forcer. Donc c'était vraiment un très bon souvenir. Après la première étape, Sébastien Loeb a donc creusé l'écart. Mais derrière, c'est la bagarre entre Sainz, Martin et Panizzi. Richard Burns est sorti de la route, mais McRae et Mäkinen sont distancés à la régulière. La première voiture en pneus Pirelli, la Subaru de Mäkinen justement, n'est que 9e. Ce viaduc, c'est l'endroit le plus célèbre du rallye d'Espagne. C'est un peu le col du Turini de ce rallye de Catalogne. Et ici, bien entendu, Carlos Sainz est accueilli en héros. On regarde tout de suite la deuxième étape de la course. Le départ de la deuxième journée dans la Skoda Fabia de Didier Auriol. Et sur le premier chrono du jour, le Français va très vite comprendre que sa course est bientôt finie. L'embrayage patine. Pour la quatrième fois en 6 rallyes, la toute jeune Fabia WRC va trahir son pilote avant le terme d'une course. Alors que Didier Auriol et Denis Girodet rentrent à la maison, les autres pilotes entament un concours de vitesse digne d'une épreuve sur circuit. Sur les 23 km du premier chrono, la route est large, le tracé rapide, les vitesses de pointe vertigineuses. 214 km/h pour les frères Panizzi, juste avant ce freinage. Marco Martin à l'assaut du même ruban de ligne droite. La Ford va atteindre 210 km/h. Autour de Sébastien Loeb avec la Citroën Xara qui va plafonner à 204 km/h.
Deuxième du tiers, épreuve aux 200 mètres devant panneau, 325 moins, vers le 110. 100 mètres. Sur un tel parcours, les pilotes doivent tendre les trajectoires au maximum. Voici trois exemples de passages à la limite. Avec d'abord Colin McRae. Puis Richard Burns. Et enfin, François Duval. Pour Carlos Sainz, cette deuxième journée commence mal. Alors que Sébastien Loeb continue sur le même rythme, son coéquipier espagnol perd deux places d'un coup. Sainz a voulu modifier les réglages de suspension de sa Xara, mais le Matador est parti dans une mauvaise direction. Bien entendu, ce léger contretemps n'entame pas le soutien du public à ce monument du sport automobile. Champion du monde en 90 et 92, Carlos Sainz est un exemple de longévité. Après 15 ans au plus haut niveau, il lutte encore pour le titre mondial et ne veut pas entendre parler de retraite. D'ailleurs que je sente que je ne suis pas bien, que je ne suis pas comme aujourd'hui motivé et tout ça, il n'y a pas une raison de rester, mais si je reste, c'est pour essayer de faire le meilleur possible. Professionnalisme, le mot revient dans la bouche de tous ceux qui côtoient le Matador. Ce qui est très important, c'est que Carlos fait tout ce qu'il faut pour rester au sommet. Il ne fume pas, il ne boit pas d'alcool, il s'entraîne, il fait beaucoup de sport. C'est capital. C'est quelqu'un de très pointilleux, pas facile de travailler avec lui. Mais bon, les résultats sont là, donc ça va. Il travaille tout le temps et il nous donne aussi beaucoup de travail. Et je pense que c'est très bien, le travail, ça paye toujours. De Ford à Lancia, de Toyota à Subaru, Carlos Sainz traverse les époques et les équipes avec la même réussite. Mais cette saison avec Citroën est l'une de ses toutes meilleures. Il a retrouvé aussi le plaisir de travailler très très fort cette année, et je suis content. Après la folie Alonso en Formule 1, le public espagnol se reprend de passion pour le rallye grâce à ce tout jeune homme de 41 ans. Retour à la course avec le fameux viaduc qui symbolise le rallye de Catalogne. Ce haut lieu de l'ambiance et du spectacle attire toujours des milliers de supporters. Ils arrivent 4 heures avant le départ et certains aimeraient sans doute élever un monument à la gloire de Gilles Panizzi. L'an dernier, au plus fort de sa domination sur l'asphalte, le Français leur avait offert un 360 degrés de légende. Cette année, pas question pour le pilote Peugeot de se laisser aller. Il est en pleine bagarre, à la recherche du temps perdu au matin de la première étape. Et sur cette spéciale numéro 12, Panizzi prend pour un dixième de seconde le meilleur sur Marco Martin. Au passage de cette fameuse épingle, deux écoles. Enroulé, tout en glissade, pour régaler les spectateurs comme Gardemeister, Hirvonen ou Bugalski. Ou bien passer propre, sans dérapage, pour économiser ses pneumatiques comme Solberg et surtout comme Sébastien Loeb. Samedi midi, Richard Burns confirme la santé, parfois mise en doute cette saison, de la Peugeot 206. Sur la courte spéciale numéro 13, l'Anglais signe le meilleur chrono. Après un San Remo et un Tour de Corse calamiteux, il se sent mieux dans sa voiture. L'équilibre de la voiture semble bien meilleur quand c'est sec. On sent mieux la voiture, on peut la pousser absolument à la limite. Ça veut dire que vous êtes toujours dans le coup pour le titre mondial ? On est encore là, mais il faudrait que François repasse devant Carlos. Dans le championnat junior, réservé aux 1600 cm3 de roues motrices, ça roule pour Brice Tirabassi. Leader du championnat, le Français se dirige vers la victoire. Il contrôle tranquillement ses adversaires. La voiture va bien, les spéciales sont assez difficiles. Le terrain est piégeux du fait des cordes très glissantes des WRC.
Mais bon, bah, on essaye de passer à travers tous ces petits pièges et surtout de ne pas crever. Pour l'instant, on a un petit peu d'avance sur Canelas, plus d'une minute, donc on va essayer de gérer ça jusqu'à la fin du rallye. Ne participant pas au Mondial Junior, le privé Emmanuel Guigou, le pilote de l'équipe de France Nicolas Bernardi et le leader du championnat de France Simon Jean-Joseph sont quand même dans la course, tous les trois sur des Renault Clio. À mi-course, Jean-Joseph domine la catégorie. Je suis heureux, très fier d'avoir fait ça. Croyez-moi que c'est une épreuve qui va largement au-delà de tout ce qu'on peut espérer. À tout âge, on peut tenter quelque chose. On le vit une fois dans un pays sublime comme ça, on le vit une fois. Koh-Lanta, le nouveau défi. Tentez l'aventure de votre vie et téléphonez dès maintenant au 0890 714 714 ou inscrivez-vous sur tf1.fr. Vivez le championnat du monde des rallyes en toute sécurité avec les centres du réseau Vulco. Retour au rallye de Catalogne, 13e manche du championnat du monde, avec le duel pour la deuxième place entre la Ford de Marco Martin et la Peugeot de Gilles Panizzi. Nous sommes à bord de la 206 des frères Panizzi. Pour gauche à fond, 100 mètres. Allez, c'est bon. La fente a été gelée. La fente a été gelée. La fente a été gelée. Un moment devancé par le Français, Martin reprend très vite son bien grâce à deux nouveaux meilleurs chronos, dont un dans la spéciale numéro 14 à près de 120 km/h de moyenne. Démonstration. 200, 6 minus right. François Duval remonte petit à petit sur Carlos Sainz. À tous les niveaux, les Ford Focus sont à la bagarre avec les meilleurs. Mais avant la dernière série de spéciales, Duval prend 10 secondes de pénalité. Un changement de pédalier à l'assistance s'est éternisé. 25, 75, 20. Pour long droit de 70, ferme fort, tenir. Pour gauche, 60, ouvre. Bon, dommage, bon, on a dû changer tout mon pédalier, donc on a dû changer le mettre d'embrayage aussi. Bon, ils ont dû purger tout. Ça a pris beaucoup de temps et puis bon, malheureusement il y a eu une connexion qui s'est mal faite au niveau de l'hydraulique. Donc j'ai pas eu d'embrayage pour quitter le parc, donc ils ont dû repurger une fois et bien remettre la connexion. Donc on a pointé une minute en retard. Petite alerte pour François Duval à l'assistance et grosse frayeur sur la route pour deux Finlandais sur ces derniers chronos. D'abord, Tony Gardemeister sur la Skoda Fabia rescapée fait un demi-tête à queue. Gardemeister qui n'arrive pas à rentrer parmi les 10 premiers depuis le départ. Et puis Marcus Grönholm, le double champion du monde 2000 et 2002, part lui aussi à la faute. Grönholm sait qu'il a perdu son titre, mais il garde sa motivation. Ici, le Finlandais attaque. Un peu trop peut-être. Grönholm repart, il est toujours à la recherche d'une victoire sur l'asphalte. La dernière spéciale du jour est le reflet de la hiérarchie sur ce rallye. Loeb devant, Martin et Panizzi pas loin derrière. L'Alsacien est bien parti pour frapper un grand coup. Je suis arrivé ici en sachant que j'avais rien à perdre. Le championnat, la seule chance pour moi de faire un résultat au championnat, c'est de gagner ici. Donc je me posais pas de questions. Maintenant, on commence à s'en poser un petit peu parce que c'est vrai qu'on est en tête et qu'on est en train de faire une bonne opération. Mais bon, il faut rester concentré et continuer, quoi. Je crois que ce sera dur de rattraper Sébastien s'il ne commet pas d'erreur. Mais bon, il reste pas mal de spéciales, tout peut arriver. Au classement après deux étapes, Martin a 20 secondes de retard sur Loeb et 15 d'avance sur Panizzi. Grönholm est 8e, Bugalski 9e et Solberg entre péniblement dans le top 10. À la veille de la dernière étape, le duel Sainz-Duval promet d'être aussi serré qu'au Tour de Corse. Nous avons changé une petite chose ce matin, je n'ai pas bien roulé les trois premières spéciales. Après, nous sommes revenus sur les mêmes suspensions et je n'ai pas trouvé un bon feeling tout de suite. Bon, ça ne s'est pas bien passé aujourd'hui.
Changement de décor pour la troisième étape. Il pleut à torrents sur la Catalogne. Dans ces cas-là, le rallye, ça devient une affaire de pneumatiques. On regarde tout de suite les images de cette dernière journée avec Sébastien Loeb en tête, toujours au départ. Plafond bas, nuages noirs. Dimanche matin, les conditions sont idéales pour voir revenir Peter Solberg en haut des classements. Sur l'asphalte, le Norvégien est l'ami de la pluie par la force des choses. C'est seulement dans ces conditions que ces pneus Pirelli peuvent rivaliser, sinon mieux, avec les Michelin. Sur les 11 premiers kilomètres du jour, Solberg prouve qu'un nouveau rallye commence. Il écrase tous ses adversaires. Avec la pluie, est-ce que vous avez une chance de revenir en haut du classement ? J'espère, vous savez. J'ai besoin de points avant l'Angleterre. Hier et avant-hier, sur le sec, c'était terrible. Il nous faut des points. Réveil très difficile pour le clan Michelin. Marcus Grönholm fait partie des moins mal lotis et pourtant, le Finlandais perd plus d'une seconde au kilomètre sur Solberg. Stage is clear for Marcus. Nos pneus ne marchent pas du tout. Oh. Chez Peugeot, chez Citroën et chez Ford, tout le monde a choisi des gommes trop dures. Conséquence, Sainz roule sur des œufs, Martin se fait une belle chaleur et pendant ce temps-là, le chronomètre tourne. Pour Sébastien Loeb, la situation n'est pas meilleure. Sixième et septième des deux premiers chronos, l'Alsacien n'a pas encore de quoi s'inquiéter pour le classement général. Mais le juge de paix de la dernière étape, c'est Villadrao. 35 km de chaussée détrempée qui conviennent très bien au Subaru. Surprise, Tommy Mäkinen, à 15 jours de la retraite, s'offre un dernier temps scratch. Le quadruple champion du monde devant Solberg, qui a cassé une jante. Les Subaru roulent une seconde au kilomètre plus vite que le reste du peloton. Solberg et Mäkinen remontent donc aux 6e et 7e places, alors que les autres patinent. À l'épingle à cheveux du viaduc, Grönholm pilote comme sur la terre. Un peu plus loin, son équipier Richard Burns va terminer sa course contre un talus. Burns essaie bien de repartir, mais sa direction est cassée. Les espoirs de titre mondial s'éloignent. Comme au bon vieux temps, Gilles Panizzi sauve les meubles pour l'équipe Peugeot. Lui non plus n'a pas les bons pneus, lui aussi se fait peur, mais il grimpe au deuxième rang en dépassant Martin. Alors que la pluie ne faiblit pas, la pression est forte sur les techniciens de Michelin au parc d'assistance. Il reste trois spéciales à disputer et le manufacturier français doit réagir, car les pilotes souffrent. C'est très difficile de rester sur la route, c'est très très piégeux. Il n'y a pas de grippe du tout, donc c'est chaud. Donc là, c'est un petit peu la prise de tête pour les pneumatiques pour la deuxième boucle. Est-ce que vous avez décidé de changer quelque chose sur votre choix ? Ben, pas grand chose, hein. On est quasiment en maxi pluie, on peut pas faire beaucoup plus, donc il va falloir refaire une boucle à peu près dans ces conditions. C'est quand même la folie, c'est pas les rallyes sous la pluie qu'on a l'habitude de faire, ça glisse beaucoup, il y a beaucoup de terre, de boue, plutôt plus de boue que de terre, et il y a un petit peu d'excitation quand même, parce que je trouve que c'est assez marrant, mais à chaque virage on sait pas si on va rester sur la route ou sortir. La deuxième série de spéciales reprend le tracé de la première et Loeb s'élance avec 49 secondes d'avance sur Panizzi. Chez Ford avec Martin, comme chez Peugeot avec Grönholm, Michelin a corrigé le tir. Martin et Grönholm se partagent d'ailleurs les meilleurs temps des deux premiers chronos de la boucle. La menace Solberg est contenue, le pneu Pirelli n'a plus l'avantage, à une exception près, Sébastien Loeb. Le leader du rallye n'a pas progressé entre les deux boucles et sa situation devient préoccupante. Panizzi et Martin peuvent désormais le rattraper. Là où tous les pilotes en Michelin ont choisi des gommes plus tendres, le pilote Citroën est resté en gomme dure. Sébastien, comme Colin et
Vu qu'il y avait des pneus trop durs, les autres sont partis beaucoup plus tendres et en fait, ben, on a fait un mauvais coup sur ce coup-ci alors qu'on avait fait un excellent en début de rallye. Bon. Vous en êtes rendu compte à quel moment ? Très vite, dès le début de ces premiers intermédiaires de la spéciale 20. L'équipe Citroën n'a pas tout vu. Pour elle, la dernière spéciale va tourner à la catastrophe. Carlos Sainz l'entame en quatrième position. L'Espagnol n'a pas commis la même erreur que ses équipiers. En pneus slick retaillés, il peut sereinement penser à accroître son avance au championnat quand la Xara s'arrête. Par miracle, ça va repartir, mais Sainz perd 3 places et de précieux points au championnat. Sébastien Loeb roule sur des œufs. Il doit à la fois sauver sa victoire sans commettre l'erreur qui lui ferait perdre le titre mondial. Équation impossible, défaite inéluctable. Ces 31 secondes d'avance ne vont pas résister longtemps à Gilles Panizzi. Comme Grenholm et Martin, les frères Panizzi ont fait le bon choix de pneus. Ils peuvent remporter leur tout dernier rallye en 206 avant de passer chez Mitsubishi pour la saison prochaine. À l'arrivée, Sébastien Loeb le pressent, Corrado Provera va le confirmer, Peugeot a triomphé de la pluie. Voilà. Spécial terminé pour Daniel. Gilles a gagné. C'est la première victoire depuis presque 6 mois pour la 206. C'est indescriptible. On était tellement poussé au fond du trou que ça fait du bien de respirer l'air frais. Voilà, même s'il pleut. Gilles, une réaction, c'est incroyable s'il vous arrive. Franchement, j'ai du mal à réaliser parce que c'est un peu fou et on avait vraiment beaucoup de retard au départ. Je ne sais pas comment j'ai pu faire pour récupérer toutes ces secondes. Et quand, bah écoute, c'est difficile à... Je sais pas. La spéciale était folle. C'est incroyable. Depuis votre dernière victoire, il s'est passé beaucoup de temps. Ça donne une dimension particulière à celle d'aujourd'hui. Non, mais c'est surtout qu'il s'est passé beaucoup de choses aussi. Oubliez les problèmes techniques, la saison chaotique, le Monte Carlo raté, l'Allemagne décevante et la Corse en demi-teinte. Panizzi est accueilli en héros à la dernière assistance. À quelques mètres de là, Sébastien Loeb encaisse la défaite. Sur la deuxième boucle, ce qui s'est passé, c'est que les autres équipes ont réagi. Peugeot et Ford ont utilisé un autre pneu de chez Michelin qui, a priori, marche très bien. Qu'on ne connaissait pas. Donc, vu que je ne le connaissais pas, je n'ai pas pu le mettre. Et nous, on est reparti avec les mêmes pneus que ce matin. Le pneu ne mordait toujours pas, on n'avait aucun grip, c'était inconduisible. Et on n'a rien pu faire, on s'est vraiment battu. J'ai attaqué, j'ai tout donné. Mais c'était impossible, la voiture est très très difficile à conduire. Un dernier mot sur le rack, vous le voyez comment, la dernière manche, avec quasiment tout le monde à égalité? Au moins c'est intéressant pour le public et pour les journalistes. C'est clair qu'il y aura une belle bagarre, on est vraiment tous à égalité. Il faudra se méfier de Solberg, l'année dernière il a gagné ce rallye, donc il a une bonne expérience là-bas, il a une voiture qui marche bien là-bas. Ça sera difficile, il faudra se battre et on verra. Tous les classements ont été chamboulés dans les derniers kilomètres. Au général, Sébastien Loeb a eu très chaud. Il ne conserve sa deuxième place que pour 6 dixièmes de seconde face à Marti. Solberg finit 5e et marque 4 points. Sainz, 7e, marque 2 points. Le championnat pilote n'est pas joué. 63 points et 3 victoires pour Loeb. 63 points et 1 victoire pour Sainz. 62 points et 3 victoires pour Solberg. Voilà les 3 favoris pour la couronne. Les chances de Burns sont minces. Panizzi, lui, grimpe au 8e rang. Enfin, chez les constructeurs, Peugeot réduit l'écart pour la première fois depuis 5 mois, mais Citroën reste la mieux placée des deux équipes françaises. La pluie continue de tomber sur la Catalogne, alors on s'est mis à l'abri, tranquillement installé là où les pilotes donnent leur conférence de presse chaque soir après la fin de l'étape. Et à la place du milieu, cette place qu'occupera peut-être dans 15 jours le tout nouveau champion du monde des rallyes 2003. Vous l'avez compris, les deux championnats sont complètement ouverts. Tout est possible en Grande-Bretagne. Rendez-vous donc dans 15 jours. Bonne fin de soirée sur TF1. Au revoir.